Good morning, everyone. Okay, today we will have we'll do things a bit differently this morning. By starting by the economic calendar, it's important to have an understanding on how to use the economic calendar. I'm sure the English speaker are able to use it, so I'll be speaking in French today. Ok, donc généralement on utilise investing.com pour nos annonces économiques, pour chercher et pour lire certains articles. Donc il faut régler le time zone. Je suis en Afrique du Sud, donc voilà, je règle en fonction du pays dans lequel je suis présentement. Ensuite, pour les nouvelles, tout ce qui concerne le crypto, voici les nouvelles sur le Forex là. Et aussi, j'aime bien cette plateforme parce que ça a un peu compris tout ce qu'il y a à savoir nouvelles, index, future stock. Il y a aussi l'opinion de certains traders que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, pour aller dans le calendrier économique, on clique sur Economic Calendar, bien sûr. Il faut ajuster le time zone, GMT plus 2. Et voilà, c'est le calendrier pour aujourd'hui. Mais les nouvelles sont un peu mélangées et tout. Donc, on peut cliquer sur Filtre. Filtrer et ajuster. Là, je sélecte tout. Voilà, je sélectionne tout. Ensuite, je sélectionne aussi toutes les nouvelles économiques, mais je sélectionne les nouvelles d'importance médium qui sont les deux têtes de bœuf ou importance médium et aussi les trois têtes pour montrer que je veux des nouvelles vraiment très importantes. OK. Donc, voilà, j'ai ajuster, faire quelques sélections et puis voir ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui à 14h45, il y a Powell qui part. Powell va affecter le pays qui va affecter, représenter là, l'Amérique. Donc, presque toutes les devises. Après ça, il y a le job opening de mai. C'est assez important. Même Powell a généralement plus d'influence que d'autres sur le marché. OK, donc on va passer à la semaine pour un peu voir ce qui est important à sélectionner. Donc lundi on a vu, lundi on n'a pas regardé, qu'est-ce qu'il avait lundi? Pas grand chose. Mardi on vient de voir, mercredi il y a le gouverneur du New Zealand qui va parler, c'est assez important. Et il y a des nouvelles sur le pound. Il y a aussi des nouvelles sur le CAD. L'euro a des nouvelles. Donc voilà, c'est une bonne début de semaine. La semaine commence bien. C'est important d'aligner des fois les nouvelles économiques aux analyses techniques qu'on fait. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment aider les membres de l'équipe. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur comment tirer assez de bénéfices d'investing.com, n'hésitez pas, on peut faire une vidéo là-dessus. Pour revenir aux analyses qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de Dixie, on va parler de gold, on va parler du pétrole. On va parler des
de certaines devises qui nous permettent d'indiquer et de savoir, d'avoir une vision sur les analyses qu'on aimerait faire ou les combinaisons possibles. Ok, ça c'est le 5 minutes chat, faut ajuster. Donc, sur Daily. Ok, sur le plan de la semaine passée qui était de vendre Dixie jusqu'au Tipeee, n'est pas arrivé au Tipeee, ça fait jusqu'à la moitié du move, donc Tipeee One, avant de repartir. Et j'ai dit si le marché dépasse, ouais. If market goes above 200 EMA, you consider a buy. Where is the 200 EMA? It's here. Did market go above it? Yes, but we got to TP1 before market went above the 200 EMA. So we had to consider a buy. J'espère que vous avez pris ça en considération et que NFP s'est vraiment bien passé. Ok, avec ce qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un smurfing smurf. Voilà. Un, deux, trois. Bien défini. Et en plus, c'est sur Daily. C'est assez important. Ok. Peut-être dans une autre couleur. Deux. Line sera là. Ici. Ok, on peut considérer qu'il y a déjà eu cassure, but n'oublions pas de marquer notre Tipeee. Ok, donc on va aller sur H4. Oh, je viens de me rendre compte de quelque chose. My God.
Et sur H4, on a le même cas de figure que sur Delhi. Donc, du matin, est-ce qu'on arrive jusqu'au tipi avant de voir un changement de structure, avant de voir un truc du genre, revenir vers le bas, une descente, quelque chose comme ça. OK? Donc, voilà. Ou continuation, bat dans l'immédiat, voilà, TP1. OK? Donc, on veut voir un Dixie strong. OK. Les résultats du NFP ont été assez consistants. Dixie strong, ça veut dire que USDCHF strong, ce qui veut dire USD XXX up et XXX USD down. OK? Donc, on peut voir USD CHF. Ce n'est pas un très bon exemple. On peut quand même regarder. USDCHF, on voulait avoir d'abord un bail, ce qui a été respecté. Ensuite, il y avait plusieurs trend lines là. On voulait avoir un sell. On n'a pas vraiment vu de sell. Ça continue en bas. OK. Donc, je vais essayer de voir un peu avec la structure actuelle à quoi est-ce qu'on s'attend. Normalement, regardant Dixie, on doit s'attendre à acheter cette devise-là. Mais il faut quand même analyser et être sûr. OK. Qu'est-ce qu'on a depuis une... Laurence, merci. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, désolé, j'ai oublié de partager le lien et je me disais, OK, pourquoi est-ce que je suis seule au Zoom? Donc, j'ai enregistré la vidéo. On va regarder le recording qui sera posté immédiatement après ce Zoom. OK. Donc, je vais continuer actuellement OK. USDCHF. Et j'ai regardé Dixie. J'ai OK. vu que Dixie est dans un mouvement haussier. Je vais repartir depuis Daily. On a le même mouvement qui est là. Un smurfing smurf, un. 2, 3, il y a déjà eu cassure du line. OK, il y a déjà eu cassure du neckline. Donc, on a vu le Tipeee qui est 98,26 plus ou moins. Et j'ai dit alors que si Dixie doit aller en haut, ça veut dire que USDXXX, donc USDCHF, USDCAD, quelque chose avec USD devant, USD Turkish Lira, tout ça doit aller en haut. Et de l'autre côté, euro XXX USD doit descendre. Donc euro, dollar, gold, New Zealand dollar et les autres doivent descendre. Et j'étais en train de regarder USDCHF. Now, je vais te poser une question. Oui. J'ai vu que tu as dit qu'on doit se concentrer sur certaines paires. Oui. Genre, pas trade everything. Donc, Yeah. quelle paire est-ce que tu suggères? Moi, par exemple, je me concentre sur certaines monnaies. Certaines devises
J'aime bien le dollar. Et le dollar, ça dépend. Au début de l'année, je peux trade euro-dollar et les autres. À cette période de l'année-là, je regarde plus le dollar avec les monnaies exotiques et l'euro avec les monnaies exotiques à cause du swap dont Julie a parlé. Donc, c'est ce que je regarde actuellement. Pour toi, ça dépend des devises que tu aimes bien. Si tu es quelqu'un qui aime bien l'or, pour cette période de l'année, tu peux juste regarder l'or, te concentrer plus là-dessus, faire plusieurs entrées, mais que sur l'or. Ou si tu aimes le dollar AUD, tu peux regarder AUD New Zealand, qui est lent, mais les pips sont assez sécurisés, et faire tes propres combinaisons. Donc, ça dépend. Tout le monde aime euro-dollar. C'est bien, mais je trouve que euro-dollar est bien pour une certaine période. Tu vois, actuellement, là, il n'y a pas vraiment de mouvement dans le marché. Donc, je conseillerais pas quelqu'un de se concentrer sur les monnaies, les grandes monnaies. C'est mieux de regarder les exotiques et de les prendre à l'ouverture de certains marchés. Par exemple, USD Turkish Lira. Ça serait bien de regarder ça rapidement et de prendre à l'ouverture du London Market, qui ouvre normalement à 10 h, mais le vrai mouvement est à 11 h. Donc, USD Turkish Lira, Euro Turkish Lira, ce genre de monnaie-là. Ou bien gold. Mais là, j'analyse un peu tout. Je vous fais un breakdown et en fonction de ça, chacun choisit ou si tu n'as pas vraiment de préférence, alors tu peux prendre un peu de tout. Ok, d'accord, merci. De rien. Oh, j'oubliais aussi, avec les Et... PPY, c'est le bon moment d'essayer d'acheter le JPY Pairs. Ok. Donc, c'est le bon moment d'essayer Donc, d'acheter. Le mouvement, si ça se parce passe que je suis bien, ça déjà dans un bailleuse. Pardon? Non, je dis donc buying USD card, on achète. Non, je parlais de trucs. Hey, USDPY, sorry. JPY, USD JPY serait bien de regarder. 4JPY. On va regarder tout ça et tu verras que c'est vraiment parti assez loin. Peut-être qu'on va prendre le pullback, on va essayer de voir rapidement ce qu'on peut faire avec. OK. Donc, ça, c'est USDCHF. Et c'est le daily. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Pas grand-chose. C'est clair qu'on a affaire à un mouvement haussier. Voici encore le même smurfing smurf que j'ai vu de l'autre côté. Ça peut être que le channel est respecté. C'est un channel qui est là depuis le 7 mai, yeah, qui était baissier et il y a eu cassure là ici du truc, du trend line, du mouvement. Donc, quand il y a cassure, il faut s'attendre à un retest du trend line avant d'avoir continuation. Donc, pour prendre ce trade-là, j'aimerais qu'on attende ça. Ensuite, continuation. Et donc, chaque Tipeee sera, comme Julie le dit souvent, les points où le prix a touché le trend line. Avant de tomber, tu vois. Là, le prochain Tipeee sera là, en haut, là. Un peu plus haut. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour USDCHF. Maintenant, pour euro-dollar. Euro-dollar, j'étais vraiment sûre de mon mouvement haussier. Pat, il n'a pas été respecté, il y a eu cassure. Mon sell stop a trigger et le Tipeee est
celui-là. Pour l'instant, c'est toujours valide. Yeah, c'est toujours valide. Le danger sera ici. Si on dépasse cette zone-là, on peut tranquillement continuer à vendre. Voilà. Donc, le type, il y a ici. À 1.11238. Je ne vais rien changer à ce chat parce qu'il est toujours d'actualité. Rapidement, on peut regarder New Zealand USD. New Zealand USD, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ça, je crois, le mois passé avec le grand triangle et ensuite un peu plus bas. Il faut que je change un peu les couleurs pour qu'on arrive à se retrouver. Ok. Ok, donc on a commencé là et on a dit, quand on a commencé ce triangle, on avait déjà ça déjà bien structuré et on a dit on allait partir du support jusqu'au petit pivot à devenir lisse. Mais là, c'est parti du support jusqu'au grand point pivot, jusqu'au pivot ici. Donc de là, il est clair que le marché nous a montré un double top. Donc, on repart vers le support. OK. Ça, ça sera notre TP1. TP1. Parce que aussi dans le petit triangle, qu'est-ce qu'on voit? Support directement à la résistance. Résistance, point pivot, retour à la résistance. Et de là aussi, on peut avoir. Donc ça, c'est plan A. Il faut qu'on ait plusieurs plans parce qu'on a deux triangles. OK. Maintenant, plan B en une autre couleur, ça serait de là. Voilà. Peut-être pas aussi. OK. De là, non. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, plan A, plan B, et je vais un peu écrire dans un peu plus de détails, mais voilà.
Donc, dans le plan B, il y a deux Tipeee. Il y a Tipeee One pour le bail et il y a Tipeee Two. Donc, tu as l'option d'attendre, de voir qu'est-ce qui va se passer là, dans cette zone. Ensuite, on pourra décider ce qu'on va faire. Voilà. Ok, ça c'est NU. On va regarder USD, CHF, NU. Et puis EU. On peut rapidement regarder USD CAD. Mais pour regarder USD CAD, il faut qu'on regarde le pétrole. Donc, je conseille qu'on regarde d'abord gold. Wow. Gold, on avait vu un 2x2, but what is this? Okay. Ok, et gold, ça c'était notre watch zone. Est-ce que ça arrive au Tipeee? Non, ça n'est pas arrivé au Tipeee. Je pense qu'il est préférable d'enlever ça. Ok. Ok, voici ce que je vois dans le gold. Le buy stop avec trigger et après nothing happened. Et là, on est presque arrivé au watch zone again. Donc, voilà, je vois pas grand-chose, comme c'est clair que là, c'est un double top, lower high, et puis, bon, je vois que le prix va descendre. Une descente bah, qui serait bien de, okay, de prendre ça peut-être jusqu'à là. Pour l'instant, c'est dans une zone que je préférerais regarder et voir ce qui va se passer. On a le deux buy stop, but il serait préférable de quitter d'abord cette zone de support, faire son entrée là et voilà, vendre convenablement, plus ou moins 80 pips. Ça c'est pour gold. Ok, WTI. Ok. WTI avait commencé un mouvement haussier et il y a eu pullback, peut-être correction du mouvement là, haussier. Voilà, donc on est actuellement dans cette zone. Je vois toujours, il n'y a pas vraiment une grande direction, mais je vois toujours une possibilité d'aller plus haut. Faut que je réduise et qu'on voit un peu. Mm-hmm.
Voilà deux choses. On va voir un peu sur Delhi. Sur Delhi, je vois toujours la même chose. Un smurf là. Il n'y a pas encore eu cassure. Et aussi, un smurf et une smurf en sel. Donc, avec le smurf et une smurf, on a dit que le sel, quand il y a un smurf et une smurf opposé, celui qui est le plus récent, cancelle les autres. Voilà. C'est le premier. La tête la plus haute là, ici. Deuxième. Infirmier, gentil. Et puis voici la troisième structure. OK. Ça, c'est le tipi du deuxième smurf là qui se présente à nous. Voilà, retour à 51-50. Je ne suis pas trop sûre, mais si ça arrive, alors notre sell entry sera quelque part là. Maintenant, on voit aussi qu'on réduit un smurfing smurf en achat. Voilà. Hein? Toutes ces zones-là, 2 et 3. Donc, faut qu'il y ait cassure de 60-20 pour continuer. Et le Tipeee sera. Ça sera un peu plus haut. Faut bien préciser, this plan B. C'est plan B, wait for neckline to break. And then plan A, same story, we wait for the neckline to break. We want to buy, but we wait for the neckline to be broken. Okay, we have our two plan. So with that being said, USD card will show us some sort of confusion. It's not that confusing.
It's goodbye. Let me delete what I had. Okay. For this one, I'll keep it simple. Don't even know what to do with this. With this pen. To keep it simple, yes, there is a break to the upside. It's a buy. It's not my favorite at the moment because I feel like je trouve que les signaux sont un peu mixtes. Une minute ça sell, deux minutes ça achète. Donc voilà, j'aime pas trop USD4, mais il faut quand même analyser. Je dois respecter ça, ça n'a pas de sens. Ok, donc c'était un mouvement haussier, il y a eu cassure, une sorte de pullback assez bizarre. Et voilà où on en est. Support ici et un peu plus bas. Ok, si on donne un peu aussi plus haut, voilà. Support. Ok, sur H4. Donc disons que si ce mouvement continue, notre TP1L. Notre TP final est là, mais il y a des mini TP à l'intérieur des zones de support et résistance. Voilà pour USD4. Ok. Est-ce qu'on peut regarder cadre? CHF. CAD CHF. Réduire un peu pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Du support, le prix est allé en fonction de plan A directement. Assez proche de la résistance. Et de la résistance, on voit maintenant qu'il y a pullback. Ok, et j'avais les deux plans. Donc, plan A, workout. Et maintenant, plan B est en place. Il y a eu même gap et tout. À quoi s'attendre actuellement? Ok. On est parti proche de la résistance, pullback, peut-être jusqu'à pipi avant d'aller retoucher la résistance et la descendre convenablement. Pour l'instant, je maintiens le chat comme il est. Plan A worked out et actuellement, c'est un pullback. Peut-être pour qu'on puisse faire une entrée d'achat là, ici, ou simplement attendre de voir, parce que voilà, le bail, la direction aussi est assez forte. Donc, c'est mieux d'attendre de voir ce qui va se passer. Ce serait préférable de changer de couleur.
On va attendre de voir un peu comment le marché va réagir et on verra. Soit on fait une entrée d'ici de pipi à la résistance ou on reste en side dynamite. Mais de pipi à la résistance, les pips sont assez considérables. 127 pips. L'entrée derrière serait de prendre une entrée là, de pipi à la résistance. Ok, ça c'est pour 4 CHF. Quoi d'autre? On va regarder Euro JBP pour un peu savoir ce qu'on doit faire avec le pound. Oh là là, jusqu'à présent, il n'y a toujours rien. Des petites bougies. Sans grande direction, but on n'est pas loin. JBP ne bouge même pas. Pas du tout. J'ai l'impression que ça va monter. Ça va monter, oui, jusqu'à arriver au... respecter le triangle qu'on avait depuis. Voilà. Le triangle là, on est toujours dessus. Donc, je vois simplement qu'on doit ajuster ça. C'est tout. Il n'y a pas eu grand chose. Et voilà, on attend. Quand ça arrive là-bas, faut s'attendre à vendre. Je ne sais même pas si ça, c'est toujours nécessaire. Peut-être, je trouve que c'est plus... ouais, c'est nécessaire. On voit vraiment qu'il y a un smurfing. Smurf, bat. C'est mieux de faire ça. Laisser ça comme ça parce que quand on respecte le rectangle, le rectangle nous dit la même chose depuis le début. On va arriver ici là, à 0,90673 avant de descendre. OK. Donc, on est parti de support. On est parti du support directement à la résistance. Résistance, on doit revenir au truc, au point pivot. Point pivot, retour à la résistance avant de descendre ou bien de voir une descente vraiment. Voilà. Pour l'instant, on attend ça. Après, une fois qu'on arrive à la résistance, voici ce qu'on aimerait voir dans l'immédiat. Avant d'avoir un retour. Là. Et maintenant. J'allais te demander aussi quelque chose. Hein. Mm-hmm. Parce qu'on a le rectangle et on a les Smurf and Shrews. Mm-hmm. Alors, le rectangle, on utilise ça quand on trade le range. Oui. Mais j'ai une forme là, c'est EURGBP. C'est dans un uptrend. C'est pas dans un range, right? C'est dans un range parce que ça respecte ces limites-là. Qui ont été identifiés depuis des mois, tu vois. On a trouvé le range de là, du point là, 0,90674. Et puis la zone la plus basse était, c'était 0,84700. Jusqu'à présent, ce n'est pas sorti du range identifié, donc on est toujours dans la même structure. Mmh. Yeah. Et on attend. Si au moins c'était arrivé à ce niveau-là et qu'il y a eu un breakout, c'est sorti, donc on n'est plus dans un range. Il faut essayer de voir ce que le marché nous montre présentement. But, pour l'instant, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Ça n'a pas changé. Même là, c'est okay. Un support. Du support, on va toujours à la résistance. Donc, OK. Voilà, pour ça. Same story. Et actuellement, je dirais que c'est quand même assez dangereux de prendre une position sur cette devise-là maintenant. C'est 157 pips, bat 157 pips, assez dangereux. Bat, l'argent, c'est l'argent. Hein. On peut toujours prendre et placer nos stop-loss assez close parce que depuis le temps qu'on a dit, c'est assez dangereux. Ça continue toujours à monter sans problème. Voilà.
Donc, ce qui veut dire que l'euro est fort et le pound est faible. GBP en bas. Euro. Euro. On a regardé CHF et on a vu que quand CHF est en train de faire dans une situation assez bizarre, mais USD CAD va de hauteur en hauteur. On doit regarder peut-être un autre truc, l'euro CHF, avant de se décider si le CHF. Avant de se décider sur ce qu'on doit faire sur le CHF. Et en mai, on a regardé cette analyse et les types ont été respectés. Et depuis lors, on n'a pas regardé. OK. J'allais aussi te demander, hein, parce que l'autre fois, au web, au Zoom, on avait parlé des paires, on utilise de 2x2 comme les gold. Est-ce qu'il y a aussi d'autres paires qu'on peut utiliser le 2x2? Il y a aussi presque toutes les analyses, si possible, tu peux utiliser le 2x2 et voir si ça s'applique ou pas. C'est possible d'utiliser le 2x2 sur toutes les devises que tu veux. C'est une technique d'analyse qui peut être utilisée un peu partout. Regarde là, on a eu... un smurf identifié, tous les types ont été rich. Et il y a eu un autre smurf ici en sel. Type était rich. Et là, maintenant, le marché est un peu en consolidation. But, je dirais il est plus haussier que marché baissier. Allons voir un peu ce que c'est. Sur daily aussi. Excuse-moi. OK. Sur Daily aussi, je vois une sorte de... Je ne dirais pas smurf, but yeah, kind of. Et smurf qui est en train de se former. Ce n'est pas joli, but c'est là. Voilà tout. Et pour l'instant, on n'a pas de tri. Tri sera peut-être ici. Pour l'instant, on n'a pas de tri. Ah, voilà ce que je vois sur le truc. Donc, on pourra restructurer. This is one. Faire ça. Aller vers le haut. Et puis, deuxième point un peu plus long que les autres. Tu peux essayer de mettre un peu le neckline, s'il te plaît. Je vais mettre le neckline tout à l'heure. OK. C'est pas encore formé, but voilà. Et le neckline sera si on compte. Je sais même pas comment faire. OK. Le neckline ne peut pas être un seul point, donc yeah, ça sera un truc comme ça.
un truc du genre. Donc, faut que je bouge ça un peu. C'est pas encore bien défini, but c'est en train de se former. Comme ça a pris du mois de mai jusqu'en juillet pour arriver au tipitri. Ben, avec EuroCHF, il faut juste être patiente. Yeah, but c'est ce qu'il est possible d'avoir là. Et les tipis, on peut aller jusqu'à ici. Hein? C'est assez considérable, même plus bas, un des deux points. Vraiment sur du long terme. Yeah. Voilà mon Tipeee 1, Tipeee 2. Et pour l'instant, je vais considérer ça une fois que voilà, il y a cassure. Pour le moment, je regarde. Ça, c'est EuroCHF. Quel autre CHF qu'on peut regarder? Je ne vois pas trop. Donc, pour moi, Euro est toujours fort, but j'ai un peu des sentiments partagés en termes de CHF. Donc, peut-être cette semaine-là, je ne vais pas trop regarder les CHF. Je ne suis pas trop sûre pour l'instant. Allons sur la JPY. SGD, JPY. On a daily. Qu'est-ce qu'on voit là? Finalement, un peu de mouvement aussi. Hein? Ok, et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? On peut même placer un truc là, ici. Triangle. Si je place ça de cette manière, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il y a déjà eu cassure. En tout cas, ça me montre une sorte de triangle bat. On verra bien, même le truc est déjà, le neckline broke already. Et voilà, ça peut être un long term buy, but je suis sûr que tu vois aussi la même chose que moi. Voilà. Voilà. Tout. And then finally we have some sort of tree here. Je suis même pas pressé avec cela. Faut vraiment prendre son temps, sinon on va se brûler encore. Sinon normalement là, il y a eu cassure ici, but je mettrai même ça là. Et le Tipeee. On a tout ce mois pour confirmer ce bail pour les JPY pairs. Et là, au début de la séance, j'ai dit qu'il faut qu'on regarde les JPY et puis voir s'il y a possibilité d'achat ou pas. Et voilà, il y a vraiment possibilité. Donc, si on regarde juste... OK, c'est mieux qu'on zoom out pour essayer de voir ce qu'il y a. Et on revient de l'autre. Là, bon, mouvement baissier, double bottom ici, et là, depuis là, on a some sort of higher highs. Pour rester sur les bougies qui se présentent à nous actuellement, voilà, 1, 2, 3, neckline, kind of, et puis on attend en tout cas qu'il y ait. Cassure.
Parce que ce neckline aussi forme une, peut former une sorte de double top. Donc, on va jouer sur la patience, on attend. On attend vraiment de voir, on n'est pas loin en tout cas de la cassure du neckline et de voir nos tipis se former. Et là, on parle de combien de pipes? 267 pips sur SGDJPY, ce qui peut nous donner des cas de figure assez intéressants sur les autres cas de JPY. Un cas de JPY, c'est même plus défini que de l'autre côté. Oula, regarde tout le mouvement qu'il y a eu. Wow. Yeah, quand JPY, le bail est activé depuis un certain temps. On n'est même pas loin du Tipeee. Wow. Voilà le premier Tipeee. On n'est pas loin du tout de ce Tipeee-là. Pour moi, je dirais que JPY est un peu trop avancé pour prendre un bail là. C'est déjà arrivé trop loin. Il reste que 100 pips avant qu'il y ait pullback. Donc, je préfère avoir un pullback assez consistant. Peut-être un truc de ce genre. De où c'est, pullback, un peu jusqu'au 200, quelque chose du genre, pour qu'il y ait assez de place pour prendre ce bail-là. Et en plus, le pétrole qu'on a regardé, WTI, est dans une zone où on doit attendre d'avoir une direction précise. Donc, voilà, Euro, JPY. Euro, JPY, vraiment, ça donnait de faux signaux tout ce temps-là. Donc, c'est pas. On verra bien, on dirait que cette fois-ci, c'est décidé pour finalement acheté. Il y a eu plusieurs smurfing smurfs qui ont à la fin n'ont pas abouti. Donc voilà, je reste sur mes gardes avec cette paire. Mais l'analyse reste là. Mais voilà, un autre smurfing smurf. Il y a trop de smurfing smurfs ici qui montrent un achat et le Tipeee est là. Mais je pense que c'est un rotating rhombus parce que si tu regardes les lows are getting higher, tu vois. Yeah. Mm. Ça peut être un rotating rhombus. Je vois plus un regular rhombus, but avec cette paire-là, je ne veux pas donner trop de faux espoirs parce que l'euro fait aujourd'hui un truc, demain ça change. Après demain, c'est la même chose. Donc, ça donne un peu trop de mixed signals. J'aimerais voir AUD, NZD. AUD, NZD, par contre. Yeah, ça scelle un peu avec beaucoup de difficultés et là actuellement la structure qu'on voit là c'est un smurfing smurf assez clair. Ok,
Pour être super careful. Voilà, il a dit à lui qu'à ce bat, on n'était pas dans ce marché-là, donc je préfère prendre ou compter sur. Ah, mais ça aussi, ça cancelle l'autre. Un truc comme ça, pour moi, n'a pas trop de sens. Donc, on va attendre. En tout cas, je mettrai le neckline ici. Mais il n'y a pas un autre petit smurf là, celui smurf. Il y a un autre smurf ici, 1, 2, 3. Et qui descend. Tu vois, quand tu zoom out, le smurf thing smurf, like, ça saute aux yeux. Bah, il y a aussi l'autre là qui se présente. Juste en dessous. Et you did New Zealand est le genre de père là qui donne trop de mixed signals. Ça, ceci, il est achat, but. Donc, je souligne ça. Si on respecte le petit smurfing smurf, le neckline a déjà été brisé. Il n'y a pas eu de retest, c'est vraiment un truc rapide, quoi. Ça peut être le mouvement que Mardi nous montre. Pour avoir un Wednesday push-up, qui sait. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie Tuesday give you something and then Wednesday give you something more structure. Donc ça peut être un Tuesday push-down. On peut prendre ça juste pour Tuesday. Mais le type, il me m'est déjà arrivé sur Adam. En laisse, non, je crois que je. Parce que c'est supposé être jusqu'à. Donc je mesure encore. Pour voir. From here to here. And then from. Okay. Then from here to there. Yeah, c'est la même zone que ça me donne. Just here. Comme on a dit là, le by smurfing smurf n'est pas bien défini. Donc, ce push down là peut être ça. Pourquoi on a ce mouvement défini? Et c'est combien de people? Voyons voir. En tout pour tout, c'est 42 people. Ça a déjà fait une bonne partie du mouvement. Ok, c'est les devises que je voulais présenter. On a vu gold, on a vu un buy et aussi un sell, mais je dirais gold sell, dollar buy, JPY, on a regardé les SGD JPY qui sont en buy. J'aimerais si possible que vous postez aussi quelques combinaisons de ce que vous voyez.
et qu'on rende le groupe chat un peu plus actif. Oh, avant qu'on ne parte, il faut qu'on regarde un peu les exotiques. USD, M, XN. Généralement, les exotiques, il y a plus de valeur quand on vend. USD lira, euro lira, parce que ça veut dire qu'on achète la devise qui est vraiment l'exotique. Donc, on achète le peso, on achète le Turkish lira et les autres baht. Vu que pour la plupart, on arrivait au Tipeee du mois, il faut qu'on s'attende à ce qu'il y ait que le Mexican peso, par exemple, perde en valeur, donc il aille un peu plus haut. Pour l'instant, le marché est toujours baissier, donc on peut voir le prix arriver au 21 et puis descendre un peu plus avant d'avoir un mouvement aussi. Donc, on peut voir un truc comme ça, du 21, avant maintenant que le prix reparte vers le haut, peut-être toucher le 55, quelque chose du genre. Il est important de voir une structure, une certaine structure, un double bottom, un double top, avant de vraiment confirmer qu'il y a changement de tendance. Parce que voilà, le mouvement baissier est assez fort. Et si je regarde ça de cette manière-là, ça peut être aussi un autre smurfing smurf qui est là. Right? USD try. Yeah, il y a même un gap dans ce marché. Oh, ok. Normalement, la stratégie nous dit qu'il faut qu'il y ait pullback pour fermer ça. Avant d'avoir un changement de truc, de structure. Ok. Maintenant, quand je regarde la structure qui est là actuellement, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui vois les smurfing smurfs partout, mais je vois quelque chose là. Et là. Et j'attends qu'il y ait une certaine, surtout quelque chose de ce côté, avant de prendre une décision, avant de décider si il y a lieu de vendre ou d'acheter. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour moi. On va peut-être voir le fermeture de ce gap qui est ici. Ça sera pas joli joli, but avant d'avoir TP1 et puis TP2. Donc je dirais pour ça, il faut juste wait for structure to be formed avant de prendre une décision. Avant de confirmer changement de structure, sinon on continue à vendre. Ou si vous voulez acheter le Turkish Lira. USD ZAR. What do we have here? Yeah, smurfing smurf. Smurfing smurf. Smurfing smurf. A tiny one, but a smurfing smurf nevertheless.
Et ça part un peu du support qu'on avait identifié l'autre fois. Ok. Et c'est là aussi, c'était un tiny smurfing smurf, but qui a continué jusqu'à. Ok. Neckline. Neckline is already broken. Where is the TP? Ça, c'est pour le premier. Pour moi, c'est bien, mais il y a quand même un peu trop de résistance et autres qui dérangent. Mais je ne sais plus les raisons pour lesquelles j'avais ça. Là, donc, là, je ne peux plus garder. Voilà, on peut prendre ça safely. Ça a déjà fait combien de pipes? Là, on parle de combien? 19 candles. Avec les arts, le spread est assez crazy. Donc, je dirais quand même 20 et quelques dollars. Et le spread de USDZ en termes de swap est moins que si on regardait EURZ. Voilà, je vois une selle ici. C'est pas vraiment aller loin. Donc, on peut delete. Et currently, qu'est-ce qu'on a? On a aussi le même, la même sorte de structure que de l'autre côté. C'est le même genre, c'est arrivé, tout arrivé au Tipeee et slowly, c'est en train d'aller plus haut. Voilà. Non, je dirais, on va aller jusqu'à Tipeee 1. Il y a le smurfing smurf là. J'aimerais faire plus un rhombus ici que autre chose. Déjà breakout, but je vais même être gentil et inclure ça dedans.
J'ai toujours un souci d'ajustement avec les smurfing smurf. Ok. Donc, c'est encore quoi le deal d'ici? Voilà. Ça, c'est Tipeee. Tipeee tout. So. Voilà ce que je vois, mais je vois aussi un continuation de rembourse. On verra bien lequel va être respecté. Ça, c'est pour Euroza, Euro Try. La plupart des brokers n'ont pas Euro Mexicain Peso, donc Eurotrail a aussi fait, il y a un gap dans le marché. C'est une paire un peu compliquée pour le moment parce qu'il y avait un gap là qui n'a pas été cravate. Généralement, les gaps ici sont pas respectés. La technique n'est pas respectée dessus. Donc, on verra bien. Je mettrai bien question mark parce que. Voilà ce que je vois. Retour, closure du gap avant de voir continuation. But. Voilà un gap ici qui n'a jamais été fermé. Il y a plusieurs gaps comme ça dans ce marché-là. Donc, pour l'instant, je pense qu'on va observer un peu ce que mardi va nous donner avant de se décider. Pour USD, pour Euro Turkish Lira. Voilà, pour moi, toute la zone là, ici, c'est une zone de question mark. Merci d'avoir assisté au Zoom. Je vais poster la vidéo dans le groupe et j'aimerais voir aussi vos analyses, raison pour laquelle. Il y a beaucoup de combinaisons qui n'ont pas été faites. Juste pour récapituler pour cette semaine, on a vu DXY Storm. Oil. Oui, ce n'est pas encore confirmé.
Eurostorm. Si Eurostorm, qu'est-ce qu'on a vu? GBB Week. Mais il y a des nouvelles, il y a des annonces économiques dessus. On a vu JPY. JPY paie week, ce qui veut dire qu'on va acheter les deux. JPY paie week. Ce qui nous dit XXX JPY buy. Close the bracket. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu gold. Gold week. Gold week, normalement, ça doit nous donner AUD week. New Zealand, bizarrement, est... Oui. Oui. Je voulais te demander, c'est pas toi qui as demandé quelqu'un, comme tu as fait le Ok, je finis dans tout ça. NZD aussi, oui, juste pour finir. Voici nos combos, j'aimerais voir vos analyses et voilà pour qu'on puisse aussi voir comment vous analysez. Merci et à tout à l'heure pour continuer la conversation dans le chat. Et désolé pour l'interruption. Bye.